Et pour finir, environ 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique RTSS vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025. L'annonce a été faite le mercredi 5 juillet 2023 par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi. En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde se sont produits en Afrique. Le vaccin RTSS mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK a déjà été administré à plus d'1,7 million d'enfants dans trois pays africains, le Ghana, le Kenya et le Malawi, dans le cadre d'un programme pilote en plus des trois pays tests qui continueront à recevoir des doses neuf autres pays bénéficieront de ces doses ont indiqué l'oms l'unicef et gavi dans un communiqué il s'agit du bénin du burkina faso du burundi du cameroun de la république démocratique du congo du liberia du niger de la sierra leone et de l'ouganda.